Salut tout le monde, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo auquel je vais deviner vos dessins que vous m'avez envoyés. Bon, vous n'étiez pas énormément nombreux, mais bon, ce sera une petite vidéo pendant ce confinement, tranquille, voilà. Ouais, j'espère que vous allez bien. Sur ce, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Alors, pour la première image, c'est un Donald. Donald, c'est un Donald. Voilà, un petit canard, comme il se doit, voilà. Un petit Donald, je crois, si je me trompe pas. Après, vous me direz dans les commentaires ce que vous vous trouvez comme personnage, etc. Si je me suis trompée, etc. Il faut le dire aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Nous passons à la deuxième image. Alors, ça serait une vidéo un peu très, un peu courte, je pense. Au moins, ça fera du bien un peu de vidéo courte. Voilà. Nous entrons pour un chien. C'est Dingo, je crois. Dingo. Si je me trompe pas, c'est Dingo. Et je crois que c'est dans le même truc que Donald ou de Mickey. Non, Dingo. Bon, prêt. C'est Dingo. On passe à la troisième. Waouh, c'est quoi ça? C'est tellement bien dessiné que ça doit venir d'un jeu. D'un jeu d'horreur sur PC, je crois. Bon, le personnage, je ne connais pas. Le nom du jeu vidéo, je ne l'ai plus en tête, mais je sais ce que c'est. En gros, tu es dans une genre de map et tu dois aller au générateur avant que le méchant t'attrape. Et tu dois activer tous les générateurs, etc. Et lui, ça doit être sûrement un méchant, peut-être, ou un personnage que tu joues. Voilà, c'est l'un des deux. Mais le nom, je ne sais pas. À vous de me dire dans les commentaires. Nous passons au quatrième. Ah, un petit bonhomme Roy. Il est trop bien fait, mais je sais même pas c'est quoi. Ça doit venir on dirait comme ça. Un dessin comme ça, on dirait dans un jeu rétro. On dirait trop dans un jeu rétro. On dirait quand c'est Rose Iron Man, mais ça ressemble pas à Iron Man. Plus il a une genre d'épée derrière la tête. Mais qu'est-ce que ça peut être? Alors là, je sais pas du tout. Mais on dirait un jeu. Je sais pas du tout. Là, ça me vient pas en tête. C'est pas un truc d'un dessin animé, peut-être? Ah, c'est peut-être d'un dessin animé. Le truc là où t'as les Power Rangers. C'est peut-être les Power Rangers. Allez, moi je dis c'est un Power Rangers. Vous me direz dans les commentaires. Nous passons à la suite. Alors là, ça vient du Roi Léon, je crois. Alors c'est pas Simba, parce que sinon il y a de la barbe. Mais je pense que ça serait Nala, je crois. Ou Sala, Nala. Je crois que c'est Nala, si je me trompe pas. Ouais, dans le Roi Léon, ça doit être l'enfant ou la fille, ou un truc du genre, je sais plus trop. Mais c'est sûr que c'est pas les parents. Ou enfin... Bref, vous avez compris quoi. On passe à la suite. Alors lui, ça vient de Naruto. Dans Naruto, ça vient de Naruto. Des trucs qui sont comme ça là. Pas Itachi ou Itachi. Attends, comme ça c'est... Kakashi, je crois. Je crois que ça serait Kakashi. Si je me trompe pas, ça serait Kakashi. Ouais, je vois que ça dans le truc de Naruto. Donc, ça aurait été les cheveux jaunes, j'aurais dit Naruto. Les cheveux gris, comme ça. Mais il y a d'autres personnages comme ça qui ressemblent. J'ai pas le nom. Alors je pense qu'on va rester sur du Kakashi. Et nous allons passer à la suite. Alors, là, ça vient d'un manga. Mais vu que je connais rien au manga, alors là, je connais vite fait, j'entends des choses et tout. Mais je dirais Mashaka, Mashika, Mana, Nashi, je sais pas. Alors là, pour le nom, je sais pas du tout ce que ça peut être. En plus, les noms des prénoms des mangas, des fois, c'est des prénoms chelous. Je sais pas, Irama, voilà, je sais pas, mais enfin, pour ça, je sais pas du tout. Mais c'est tellement bien dessiné que je vois pas, parce que les mangas, c'est pas mon truc. Je lis pas de manga, je regarde pas de manga, ni rien. C'est compliqué. Nous passons à la suite. Alors, nous avons un petit appareil à photo, sympa, très sympa le petit appareil photo. Classique, bien fait, ouais. Je dirais un appareil photo, peut-être des années 80, 90. Je ne sais pas. Mais c'est pas un appareil photo qu'on prend, nous les youtubeurs. Enfin, les youtubeurs qui prennent ça. C'est plus que tu prends en photo quand tu pars en voyage. Ou peut-être l'appareil photo. Appareil photo ou un peu recyclable ou je sais pas trop quoi, réutilisable. Ou. Enfin, tu peux sortir les feuilles. Enfin, tu peux sortir les photos via un photographe ou je sais pas quoi, il te sort ça. Puis tu recharges et tu. Je sais pas, enfin bref. Sur ce. On passe à la suite. Oh, un petit nounours. Un petit nounours, mais alors là, je sais pas d'où ça vient ce petit nounours. Mais on dirait trop nounours qui
ou allongé, en mode comme ça. Ou alors il est assis, mais je pense qu'il a allongé. Ou alors il portait un truc sur son dos, genre de gâteau, je sais pas. Il a un petit cœur, il doit être amoureux. Ouais, je sais pas trop ce que ça peut être. Mais je dirais un petit nounours, mais d'où ça vient? Alors là, je sais pas du tout. À part que ce soit nounours, un ours, pardon. Ouais. Moi, je vois pas trop ce que c'est, mais ouais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous trouvez. Et les personnes qui m'ont envoyé ces images, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que c'était en réalité. Pour savoir si j'avais bien trouvé ou pas. Mais bon, après, je suis pas très très forte non plus. Mais bon, après, vous dessinez super bien. Nous passons à la prochaine image. Mais ça, c'est Bart Simpson, mais c'est tellement bien fait. Par contre, il a un gros œil par rapport à l'autre. Ou alors, c'est fait exprès. Je sais pas, ça dépend peut-être de l'angle de vue. Mais il est tellement bien fait, le Bart Simpson. Hein. Moi qui ai fait Lisa Simpson, et ben toi tu auras fait Bart Simpson. Ça fait mon frère et sœur. Ouais, c'est tellement bien fait. Bah voilà. Je pense que j'aurai, il y a combien de 10? Je crois qu'il y a 10 images. C'est peut-être une moyenne de 4, 5 sur 10. C'est pas top, top, top. Mais bon, voilà quoi. Et puis c'était la dernière vidéo, enfin la dernière photo, la dernière image de vos dessins. Voilà, pas beaucoup de dessins, c'est une petite vidéo tranquille, 5-6 minutes. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Bon, désolé de l'environnement, hein, je fais ça à la va-vite. Alors, voilà, c'est son endroit dans ma chambre, quoi. Alors voilà, j'ai peut-être pas l'habitude de voir ça, mais bon. Vous me voyez toujours en extérieur, truc comme ça, mais bon, voilà. Le confinement nous fait rester à l'intérieur, et ben oui. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, que j'ai essayé de trouver au mieux que je pouvais, et puis voilà, hein, que dire de plus, à part vous demander de liker, de commenter, de vous abonner si ça vous aura plu, et de vous dire à la prochaine!